profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Notre professeur ne nous appelle pas par notre vrai nom, mais par notre futur potentiel. À l'école, j'ai un professeur qui enseigne diverses matières et qui est généralement apprécié. La seule chose étrange à son sujet est qu'il n'appelle pas les élèves par leur vrai nom, mais par leur futur potentiel, selon lui. Il arrive en classe et commence à faire l'appel. Meurtrier potentiel. David lève la main, car il sait qu'il s'agit de lui, car le professeur l'appelle toujours par ce nom. Le professeur dit « Cambrioleur potentiel ». Et Cédric lève la main, car le professeur l'a appelé ainsi à plusieurs reprises. Le professeur s'écrie ensuite « Psychopathe potentiel ». Et Émilie lève la main, car elle sait que c'est elle. Le professeur l'appelle toujours par ce nom. Lorsqu'il dit « Cannibale potentiel », alors c'est moi qui lève la main, parce qu'il m'appelle toujours comme ça. Il y a quelque chose pour tout le monde. De l'accident bizarre potentiel au génie maléfique potentiel. J'admets que c'était amusant au début, mais maintenant je veux juste qu'il m'appelle par mon vrai nom, Maxime. Un autre jour, notre professeur commença à faire l'appel, et comme d'habitude, il appela tout le monde par leur potentiel, et non par leur vrai nom. Mais il a appelé David par son vrai nom, en esquissant un petit sourire en coin, qui nous a donné la chair de poule. Toute la classe a été choquée. Tous mes camarades se regardaient entre eux, cherchant à comprendre pourquoi, soudainement, David avait réussi la mission impossible de se faire appeler par son vrai nom. Pour être franc, je commence à en avoir sérieusement marre que le professeur m'appelle cannibale potentiel, et j'avoue être jaloux de David. C'est pourquoi, un peu plus tard après les cours, j'ai demandé à David pourquoi notre professeur ne l'appelait plus « meurtrier potentiel ». Il m'a répondu sans gêne ni ambages qu'il avait vraiment tué quelqu'un. Il a assassiné un sans-abri parce qu'il savait que le professeur l'appellerait maintenant par son vrai nom. David m'a alors expliqué où il avait caché le corps, et nous nous sommes rendus sur les lieux ensemble. C'était dans une forêt, à l'abri des regards indiscrets. Je n'ai aucune idée de savoir comment il était parvenu à faire venir un sans-abri hors de la ville, jusque dans la forêt. Mais alors que je me posais la question, il sortit un couteau extrêmement bien aiguisé de son imper et me dit simplement « Tiens !» en souriant. Le lendemain, à l'appel, le professeur m'a appelé par mon nom, Maxime, et a esquissé un petit sourire en coin.